le choix de pouvoir se remettre en question, de pouvoir se challenger sur, sur d'autres compétences qu'on souhaite développer. Bon, elle est longue. Elle est longue. Question suivante. Avoir le choix, être impliqué dans les décisions chez Capfi. Bah déjà, comme ça, moi, l'idée, c'est le choix de sa mission, le choix de son projet chez le client. Ça, c'est hyper important. Le fait d'avoir le choix du client chez qui on peut aller et de la mission sur laquelle on peut travailler, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas forcément vu ailleurs. Et c'est très appréciable et très agréable. Mais ton avis compte. C'est ça. Être impliqué dans les décisions, moi, ça m'évoque quand même beaucoup le advice process. Tout le monde peut donner son avis, tout le monde peut avoir une bonne idée, quel que soit son job dans l'entreprise. La seule chose qu'on lui demande, c'est de le mettre à l'épreuve du reste de la communauté et de s'assurer que ça répond pas juste à une idée farfelue, mais que ça répond à un besoin commun. Ça, je trouve ça bien, dans le sens où n'importe qui peut le faire. Et n'importe qui peut avoir une bonne idée, donc ça met en avant tout ce qui peut ressortir de positif d'un collectif, en fait. Nous croyons au droit à l'erreur, seuls ceux qui n'en font rien ne se trompent jamais. Ah oui, on a le droit de faire des erreurs. Ben, on parlait du choix des missions. On peut très bien se tromper de mission, se tromper de client, ça peut arriver. Ben, finalement, je pensais que c'était la mission de mes rêves et ça ne l'est pas. On s'est trompé. Pas grave. Et effectivement, c'est enrichissant. Et après, oui, ça fait partie aussi de la vie, quoi, de faire des erreurs. On passe tous par là et ça nous apporte, en fait. Permettre à chacun de définir et de vivre son épanouissement professionnel. Pour moi, déjà, ça commence par le choix. Bah, ouais, on revient à ce qu'on disait un petit peu au début, le choix de la mission, le choix du client. Et même au-delà de ça, quelque chose que j'ai pu expérimenter récemment avec Maxime, le choix de pouvoir se remettre en question, de pouvoir se challenger sur d'autres compétences qu'on souhaite développer, qui sont pas forcément de notre cœur de métier. Moi, ça fait 9 ans que je fais de l'infra, et ben j'ai décidé de me lancer avec Maxime dans un challenge, voilà, de se former sur des choses que j'avais jamais vues avant, qui sont vraiment une autre porte, une autre branche du métier d'ingé réseau sécu. Et c'est aussi un choix, une liberté qu'on m'a accordé et j'en suis content, quoi. Mais du coup, là, il y a quand même des formations certifiantes une fois par an qui peuvent être proposées. Culture Book. Chez Capfi, nous sommes tous différents tout en restant une seule famille. Mais plutôt famille Adams, Game of Thrones, Succession ou Les Simpsons? Ouais, moi, la famille, ça me fait penser à Fast and Furious. Ah ouais? J'ai la rêve, c'est bon, je l'ai, ouais. À Game of Thrones, je pense pas. C'est pas la culture du monde. Il y en a un qui meurt à chaque épisode. Non, je pense pas que ce soit ça. Bah, les Simpsons non plus, quoi. Moi, je dirais pas famille, mais moi, je peux me faire. J'ai toujours cette idée un peu Friends, quoi. Ah oui. Ouais, c'est ça, ouais.